Quand je rentre ici, je suis toujours hyper heureuse. Je suis donc Tiphaine Verdier, j'ai 50 ans et j'ai monté une marque qui s'appelle Les Causeuses, qui est une marque de décoration d'intérieur. Moi je m'appelle Georges Mangan, j'ai 15 ans. Grand danseur. Moi je m'appelle Albertine, j'ai 17 ans, donc je suis en terminale. Donc j'adore le cinéma, le théâtre. On était donc tout près et on s'est séparés là et donc on s'est installés tous les trois. Donc voilà, c'était un nouveau départ. On est arrivé il y a un peu moins d'un an, en juin dernier. J'ai déjà fait tout ça. Direct. Pas de transition. Quand on est arrivé, c'était... Enfin, t'as tout de suite peint. Quand je rentre ici, je suis toujours hyper heureuse. C'est vrai que la joie pour moi, c'est une thérapie, mais et c'est indispensable. Donc oui, peut-être que ça se ressent. La couleur a un effet sur soi qui est incroyable. À chaque fois que je rentre, ça a quelque chose de nouveau. T'as un talent pour assimiler des objets qui sont quand même assez étranges parfois. Le truc important, en effet, qu'on n'a pas dit, c'est que je loue ici. J'avais une contrainte, c'était ne pas toucher les murs et travailler avec ce qu'il y a. Je pense que tout commence par la couleur. Et là, j'avais vraiment envie de quelque chose d'hyper enrobant. Et ce que j'aimais aussi, c'était de me dire, en fait, ça va être du sol au plafond. Et on peut réussir à faire des trucs très bien sans dépenser énormément d'argent avec de la couleur, de l'imagination. Le prix, c'est la peinture. Voilà. Le meilleur truc, c'est d'essayer. Si ça marche pas, recommencer. Par exemple, pour la cuisine, elle était toute blanche avec un carrelage blanc, des grandes dalles, en mettant du lino. Et en jouant justement la couleur, le contraste, en fait, on va transformer cette pièce. Et pareil, j'ai changé les poignées des portes, j'ai repeint. Georges disait, quand on est rentré, l'escalier, il flottait. Et en fait, quand tu arrives dans l'appartement tout blanc avec ce truc, il était vraiment gênant. Et je me suis dit, en fait, je vais peindre tout de la couleur de l'escalier. Les placards qui sont là sont des placards IKEA qui étaient dans ma chambre avant. Et que donc, on a découpé. Et puis, j'ai mis du papier peint. Et du coup, l'escalier, il disparaît. Mon amour pour le rose a ressurgi. Je pense qu'en fait, une grosse lampe, une belle lampe, c'est quelque chose que tu peux emmener partout et qui décore et a une vraie utilité décorative aussi par la lumière. C'est idiot, mais vraiment, en fait, il faut choisir ses ampoules. C'est trop beau. Je cherchais une lampe de chevet. Le type qui me la vend me dit, je vais venir vous la déposer. Je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi il me la dépose? Est arrivée cette espèce d'énorme lampe. Et en fait, elle est géniale. Dans cette pièce, j'ai mis plus des pièces anciennes en fait. C'est des chaises que j'ai achetées aux enchères, qui sont des chaises Cassina et qui ont le tissu d'origine. Pour continuer les fleurs, il y a les bancs que je fais. Donc celui-ci, c'est les plus petits parce qu'en fait, je fais différentes hauteurs et différentes longueurs. C'est mixé en fait les motifs. Je trouve que c'est amusant de voir en fait des fleurs différentes, mais que voilà, au final, d'essayer de créer une harmonie. Avec tous ces motifs et ces époques, en fait. Mais oui, c'est complètement dingue. Et c'est moi l'ado du truc, hein. Là-dedans, là. De temps en temps.